Donc, je suis à Vienne pour présenter Our Wishes, votre série télévisée sur l'histoire coloniale, le traité germano-douala. Donc, nous sommes là pour un mois dans cet espace, un espace qui a été créé à l'occasion pour pouvoir présenter, comme si on était au Cameroun, dans une maison qui a à la fois une dimension d'une maison d'aujourd'hui, à Yaoundé, à Douala, à Garoua, n'importe où, et aussi un espace qui rappelle le colonialisme, ses objets et la tradition. Et puis enfin, un autre espace du tournage de la série, c'est-à-dire que la communauté qui nous a accueillis, etc. Donc, Our Wishes, c'est donc cette série qui va passer bientôt au Cameroun sur l'histoire coloniale. C'est la première fois que nous faisons comme une intrusion dans cette histoire coloniale dont nous n'en savons plus grand-chose. C'est-à-dire que le traité, dans quelles conditions il a été signé, mais pire, qu'est-ce que cela a entraîné comme rivalité, comme tension dans notre pays, entre les différents peuples. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que quand on parle de dévaluation, quand on parle de dette, quand on parle de corruption, tout ça a commencé à l'époque. Donc il s'agit évidemment de se parler entre nous franchement de ce qui s'est passé, de se raconter ce qui s'est passé entre nous, mais à partir du moment où le blanc est arrivé, à partir du moment où ce traité a été signé, quelles sont les conséquences de toute cette affaire-là dans notre société, dans les relations entre les familles, etc. Donc, la série est une espèce de série dramatique, hein, sans grande ambition, qui a juste pour idée de commencer ce travail de mémoire, ce travail de raconter ce qui nous est arrivé et de le raconter pour le grand public.